Le 8 mai 1902, la montagne Pelée, située en Martinique, a connu une éruption catastrophique qui a causé la mort de plus de 30 000 personnes. La ville de Saint-Pierre, qui se trouvait au pied de la montagne, a été complètement détruite par les cendres et les coulées de lave. Cependant, il y a eu un survivant inattendu de cette tragédie, Louis-Auguste Sipari. Sipari était un prisonnier incarcéré à Saint-Pierre, et il a miraculeusement réchappé à l'éruption grâce à l'épaisseur de son cachot. Alors que la ville était en feu et que les gens tentaient désespérément de fuir, Sipari a été protégé par plusieurs mètres de roches qui ont empêché les cendres et la lave de pénétrer dans son cachot. Il a été retrouvé vivant 2 jours plus tard, alors que tous les autres habitants de Saint-Pierre avaient péri dans l'éruption. Sipari est devenu célèbre pour sa survie incroyable et est devenu une figure emblématique de la tragédie de la montagne Pelée. Sa survie a été considérée comme un miracle, et il est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont été touchées par cette terrible éruption.